Bonsoir à tous les amis, c'est Jérôme Invoyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage et j'ai décidé en ce dernier jour de mois de novembre de faire votre horoscope pour décembre 2020 pour le signe du Capricorne. Qu'est-ce que le Capricorne nous réserve pour ce mois de décembre? C'est ce que je vais tenter d'essayer de répondre donc dans cette vidéo à travers un court tirage de trois cartes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces bleus si la vidéo vous plaît. Le pape qui est ressorti, la justice ainsi que l'ermite. Alors, pardon. Donc, la première carte qui est sortie, c'est le pape. Donc, c'est le symbole de la domination. Hein. Vous êtes plutôt de caractère conquérant. Vous pouvez donc compter. Comment dire ça? Comptez, oui, comptez, c'est bien ça, sur l'aide de quelqu'un. Quelqu'un sera là pour vous aider, quelqu'un sera là pour être à l'appui, mais c'est aussi réciproque, car c'est aussi votre cas. Les personnes sauront que vous êtes de bons conseils, de bonne écoute. Vous faites preuve de compréhension et d'une autorité vraiment supérieure à celle des autres. Vous êtes également une personne qui bénéficie d'une grande protection presque divine. Vous êtes quelqu'un qui a une bonne étoile sur lui, quelqu'un que les gens apprécient et sont toujours là proches de lui. Donc le pape représente également et symbolise l'élévation morale et intellectuelle. Vous êtes vraiment très réfléchi, vous prenez votre temps, voilà. Et vous observez et voilà, vous êtes vraiment quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui est dans la bonne lignée des choses. Ensuite, la justice à l'envers. La loi reste la même, quel que soit donc le sens de cette incarne, qu'elle soit tirée à l'endroit ou à l'envers, c'est plus ou moins pareil. Elle annonce dans ce cas des complications avec donc dans l'ordre juridique, malheureusement. Des procès interminables et compliqués et des causes perdues ainsi que des conflits. Donc voilà, elle est vraiment très négative. Vous allez peut-être constater et recevoir malheureusement des conflits donc dans ce mois qui va être difficile pour vous de relever. Ensuite, la carte de l'ermite, elle représente un âge, donc un homme d'un âge assez mûr, pardon, avançant donc voilà avec sa lanterne, son bâton. Cette incarne symbolise la prudence, le temps nécessaire pour comprendre et obtenir ce qu'on en cherche. Elle est la représentation clairement de la patience. Donc, vous attendez la réponse de quelqu'un, vous attendez quelque chose en fait, une réponse, quelque chose. Il va falloir être patient, même si c'est un événement. Ouais, il va falloir vraiment être patient, faire preuve de beaucoup de patience donc dans ces temps qui viennent, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour l'hésitation. Voilà, j'enchaîne les tirages. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau à ma chaîne. Moi, je vous fais de gros gros bisous et je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous et je vous dis à très vite.